Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le tutoriel de la célèbre chanson Le Dénicheur, dont vous en trouverez comme d'habitude quelques détails dans la description. Alors j'ai modifié la tonalité originale de Ré, Lucienne Delisle chante en Ré, Georgette Plana chante en Mi, mais nous, nous allons chanter en Sol. Voilà. Alors, il y a bien d'autres artistes qui ont chanté dans bien d'autres tonalités, bien entendu. Mais ce sera une tonalité, vous allez voir, très facile, très abordable. Mais naturellement, une fois que vous aurez saisi les harmonies, je vais vous montrer. Si vous disposez d'un piano numérique, n'hésitez pas à faire usage de votre transpose ou transposition selon le modèle que vous avez pour ajuster votre voix dans la tonalité qui vous convient. Ils sont aussi faits, conçus pour ça. Donc votre manuel saura vous dire comment faire si vous ne savez pas, mais c'est toujours très simple. Et naturellement, comme d'habitude sur ma chaîne, vous trouverez dans une autre vidéo sous le titre guide l'ensemble de la chanson pour vous aider à la compréhension générale. Alors c'est une valse, bien entendu. Donc je vous propose plusieurs options, c'est-à-dire on va regarder d'abord toutes les harmonies et puis au fur et à mesure, la valse c'est donc trois temps, n'est-ce pas? Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et on va voir comment on peut l'articuler avec 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, en renversant la quinte. Alors si vous êtes un petit peu plus avancé, mais comme ça vous aurez beaucoup d'options parce que la chanter à plat en balade, bah, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, bien entendu. Donc, je vais vous proposer une formule simplement extrêmement simplifiée, voilà, juste avec un temps, deux et trois. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'harmonie, mais il y a beaucoup d'accords qui changent. Donc, on va regarder ça ensemble, bien entendu. Alors, voyons déjà cette gamme de sol. Voilà. Donc je parle toujours en degrés et de manière naturelle. Pour aller de sol à sol, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur 7e, octave. Alors je vais vous délivrer une astuce que je délivre, c'est un peu itératif pour ceux qui suivent régulièrement ma chaîne, mais si vous venez que pour cette chanson, c'est néanmoins très important. Faire la différence entre la majeure 7e et la 7e. Vous trouverez toujours la majeure 7e, vous voyez l'octave, un demi-ton en dessous, et la 7e, un demi-ton en dessous. Pourquoi? Intrinsèquement, parce qu'à partir de la quinte, 1, 2, 3 demi-tons au-dessus, c'est une tierce mineure, donc une septième dominante, et 1, 2, 3, 4, eh bien c'est une tierce majeure, donc sol majeur septième, sol septième. Vous allez voir qu'on va avoir recours, ce ne serait pas une astuce naturellement si ça ne fonctionnait pas dans toutes les tonalités. Donc on en aura toujours besoin, et que ce soit sur ma chaîne ou celle des autres, eh bien ça vous servira quoi qu'il advienne. Donc la mélodie, on l'appelait le dénicheur. Donc on est tout à fait dans la gamme, bien entendu, hein. Donc voyons déjà l'harmonie, donc d'accompagnement. On va commencer par une triade de sol majeur. On vient de voir la gamme, je ne la recommence pas, hein. Fondamentale, tierce majeure, 4 demi-tons au-dessus de la fondamentale et tierce mineure, donc la triade parfaite de sol. Voilà. On l'appelait le dénicheur. On commence de toute façon par le refrain. Ah oui, j'ai oublié, je fais une exonération comme on a beaucoup de choses à voir, d'introduction. Je me suis contenté de faire quelque chose d'apocryphe avec un ré quinte augmenté. Voilà, donc gamme de ré 1, 2, 3, 4, 5 augmenté. Voilà, donc fondamentale, tierce majeure, quinte augmentée. Ce qui nous donne ré, sol bémol, si bémol, et je renverse la fondamentale, le ré au-dessus. Donc, voilà, et on commence. Alors, je vous donne la note de départ pour le chant, mais c'est facultatif, c'est indicatif, hein. Je l'ai montré dans le guide, hein, mais on l'appelait le dénicheur. Donc, on l'appelait le dénicheur. Vous voyez, en balade, c'est pas voyant. Il était rusé comme. Mais on va, après tout, pourquoi pas. On va regarder comme ça va nous permettre de regarder déjà sur le refrain toutes les harmonies. Donc, on l'appelait le dénicheur, sol majeur. Donc, il était rusé sur le zé de rusé, mi septième. Donc, gamme de mi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur, septième octave, fondamentale, tierce majeure, quinte et la septième. Vous voyez, pour corroborer mes propos, un demi-ton en dessous de la majeure septième, qui nous font un ton finalement en dessous de la fondamentale mi, n'est-ce pas? Septième. Il y a une énorme différence, vous voyez, entre majeure et septième, la tierce mineure dominante et la tierce majeure. Donc, rusé comme une fouine. Alors là, on peut jouer, se contenter de jouer un la mineur, la triade ou de l'augmenter.
c'est au choix, hein, ça fait partie des options, ou de l'enrichir avec une septième. Donc voyons déjà la gamme de La, 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeur, septième, octave, fondamentale, tierce mineure, quinte, et la fameuse septième en option. Donc c'est tout simplement un renversement. Qu'est-ce que c'est qu'un renversement? Eh bien, je renverse la fondamentale, premier renversement. Deuxième renversement, c'est la tierce mineure. Vous en avez encore un autre si vous voulez. C'est la quinte. Et on revient dans une position à l'octave supérieure, fondamentale. Vous voyez? Il nous donne un arpège, bien sûr. Donc, soit la, 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 ou alors juste la triade sans la septième, comme vous voulez. Je récapitule. On l'appelait le dénicheur. Il était rusé comme une fouine. Donc moi j'ai choisi de mettre la septième, mais si vous voulez faire le renversement seulement de la triade, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Après, vous choisissez votre hauteur, moi c'est indicatif hein, ce que je vous montre. Hein. Je peux très bien modifier, je la rejouerai 10 fois, peut-être que j'arriverai ici. Voilà. Au lieu de faire ça, je vais faire ça, c'est spontané. Voilà. Donc ça nous fait, quoi qu'il advienne, mi, faut bien avoir une référence, sol, la et do. À partir du moment où vous jouez ces 4 notes-là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voilà. Et même, vous pouvez donc éviter le sol si vous voulez. Donc je vous ai tout dit, après c'est vous qui vous appropriez la chose. Hein. Alors ensuite, c'était un gars qui avait du cœur. Alors, je ne vous joue pas la mélodie parce que vous la connaissez, bien entendu. Hein. C'est des chansons extrêmement célèbres. Et que, pour des raisons aussi de temps, et puis qu'on s'accompagne, ici, on s'accompagne avec les harmonies. Et donc, on fait la basse à la main gauche, on rythme la chose, et les harmonies à la main droite. Voilà. Et on fait la mélodie avec notre voix, bien sûr. Donc, on l'appelait le dénicheur. Il était rusé, alors vous pouvez doubler la basse, bien sûr, comme une fouine. C'était un gars qui avait du cœur. Vous voyez, dans cette position, c'est intéressant parce qu'on est tout de suite très proche du ré septième. On gagne le ré fondamental, tierce majeure, quinte et la septième. Donc ré, sol bémol, la et do. Équidé, re, la mineur septième, nichet. Or, ré septième des combines, sol, ré, et là, que vous pouvez là, jouer comme ceci ou comme cela. C'est-à-dire, vous pouvez procéder à tous les renversements que vous voulez, vous regardez ce que je fais, et après, ça vous plaît ou pas. Donc, récapitulons en balade. Donc, on l'appelait le dénicheur. Il était rusé comme une fouine. C'était un gars qui avait du cœur. Et qui dénichait des combines. Donc au niveau des harmonies, rusé, mi septième comme une fouine, la mineur septième, c'était un gars qui avait du cœur, ré septième, et qui dé, la mineur septième nichait, ré septième des combines, sol, ré, ne, ici ou là, ré septième, ou ré tout simplement. Comme vous voulez, vous choisissez d'enrichir avec une septième ou pas. Ça, c'est à votre envie. Hein. Il vit, donc, deuxième ligne, il vivait comme un grand seigneur au sol. Et quand, mi septième, on l'a déjà vu, hein, qu'on rencontrait sa dame, la mineure septième, et là, on répétait, là, vous avez joué do renversé. Donc, la gamme de do, 1, 2, 3, 4, 5, tout simplement la triade. La fondamentale en haut, deuxième renversement, voilà, et on revient sur la fondamentale. Donc, on répétait sur, et là vous allez monter sur le do dièse diminué septième. Alors, la gamme de do dièse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et il y a beaucoup d'altérations. Donc, on va voir comment on l'a construit. On part de la fondamentale, la tierce majeure, la quinte et de la septième pour construire un accord de diminué septième. On garde la fondamentale en place, on diminue la tierce d'un demi-ton, la quinte d'un demi-ton et la septième d'un demi-ton. Et cette harmonie, après, bah, il nous suffit simplement d'en faire ce que l'on veut, hein. On la renverse autant de fois que l'on veut. Voilà. Et on peut faire tout le clavier comme ça, bien sûr. Donc à partir de sa position fondamentale,
Et bien là, par exemple, premier renversement, boum, je renverse le ré bémol. Deuxième renversement, en même temps, c'est le mi que je renverse. Voilà, juste celui-ci parce que c'est très pratique à partir du do, vous voyez, de monter sur le ré bémol diminué ou do dièse diminué septième. D'accord? Intrinsèquement, ça nous fait d'abord sol, do, mi, ensuite sol, si bémol, ré bémol, mi, n'est-ce pas? Donc, on répétait sur toutes. Alors, évidemment, je le fais une octave plus bas. On répétait sur toutes les gammes. Alors, vous avez des artistes qui font gamme. Mais Lucienne de Lille, elle fait pas ça. Elle fait seulement gamme. Donc, j'ai suivi le conseil de Lucienne de Lille. Donc, mais vous pouvez faire gamme, qui changera absolument rien à votre accompagnement, hein. On répétait sur toutes les gammes. Voilà la femme, la dénicheuse. Vous voyez, ça changera absolument rien. Gamme. Bon, c'est un effet de voix. Moi, je suis resté sobre, mais c'est tout à fait possible, bien sûr, puisque d'autres artistes le font. Donc, on répétait sur toutes. Ré bémol diminué septième, les gammes, on revient sur sol. Voilà, ré septième, la femme à dénicheur. Voilà. Bon, maintenant, voyons, abordons, donc on a terminé le premier refrain, on part sur les couplets. Voyons maintenant l'aspect rythmique. Donc, vous allez pouvoir faire exactement la même chose, sauf que d'abord, à partir d'introduction, le plus simple, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, c'est-à-dire, partir de la fondamentale, la tonique, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tout simplement. Premier temps et les trois harmonies, premier et deuxième temps. Voilà, et vous revenez premier temps. Alors allons-y. Donc, boum, introduction, ah, énorme. On, donc, toujours vous donner la basse, la base, pardon. On l'appelait le dénicheur. Il était rusé comme une fouine, c'était un gars qui avait du cœur et qui dénichait les combines. Il vivait comme un grand seigneur. Et quand on rencontrait sa dame, on répétait sur toutes les gammes. Voilà la femme à dénicheur. Voilà peine. Là, vous pouvez enchaîner, ou alors la femme a la femme à dénicheur. Vous pouvez faire un arrêt, un stop si vous voulez. Et voilà, elle avait fait ça parce qu'on reprend sur la même harmonie sur le sol. Ou alors, maintenant, voyons la deuxième possibilité, c'est-à-dire d'alterner. Ce qui est le plus sophistiqué là, dans ce que je vous propose. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas parfaitement vos gammes, je vais vous donner seulement le nom des deux notes que vous avez à alterner. Comme vous avez une belle vue du dessus, j'enlève les doigts qui vous gênent, je ne les coupe pas, hein, rassurez-vous. Provisoirement, et je vais articuler comme ça les deux notes qui sont intéressantes, voilà, pour l'harmonie. Donc, on l'appelait. Et ça va être le même principe. Premier temps, deuxième temps, troisième temps. Et c'est la quinte que je vais substituer à la fondamentale. Donc, on l'appelait le dénicheur. Il était rusé comme une. D'accord? Rusé comme une. Alors, on n'a pas toujours le temps, hein. Parfois, on peut juste faire la fondamentale et les deux et trois temps. Et après, on enchaîne avec l'autre harmonie, hein. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas. Là, on a le temps sur on l'appelait le déni. Donc, sol et ré. On l'appelait le dénicheur. Il était rusé comme une. Là, on a juste le temps de faire rusé comme une fouine. Là, on a le temps sur le la mineur. Donc, la et mi. C'était un gars qui avait du. Et là, sur un cœur. Là, on a le temps sur ré. Donc, ré est là, cœur, et guidé. Là, on n'a plus le temps, là. On a juste le temps de faire 1, 2, 3. Né, niché, des cons. Pareil sur le ré. Mineur. Pareil sur le ré. Il vivait comme un. Là, on a le temps sur le sol. Sol, ré.
il vivait comme un grand seigneur. Et quand on rencontrait, là on a le temps pour faire mi avec si, et quand on rencontrait sa dame, là on a le temps sur la mineur, là avec mi, dame. Et là on a le temps, on n'a pas le temps, on répétait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et là on a le temps. Donc d'abord Do, 1, on répétait sur toutes les gammes, donc Sol et Ré, voilà sur Ré, et là, voilà la femme à dénicheur, alors cheur, donc voilà la femme à dénicheur. Vous pouvez faire un arrêt comme ça, ou alors, voilà la femme à dénicheur. Faire un arpège comme ça, par exemple, voilà. Voilà, avec des multitudes de croches. Ou alors, faites voir, voilà la femme à dénicheur. Vous ne faites rien, vous continuez, puisque vous enchaînez, voyez-vous. Vous enchaînez sur le chant. Elle avait fait sa connaissance. Elle avait fait sa connaissance. Donc, Sol. Donc, vous avez. Voilà la femme à dénicheur, par exemple. Elle avait. Sur le premier temps, mu Sol, voilà. Cheur. Elle avait fait sa connaissance. Donc, voyons les harmonies déjà. Sol. Elle avait fait sa connaissance. Ré septième. Dans un bar, sur le 1, c'est la mineur septième. Vous voyez, ça, on retrouve toujours les mêmes harmonies. Hein. Un soir, ré septième, simplement, sol, re-sol. Ce fut le hasard d'une danse qui le fit, la mineur septième, devenir. Alors, on n'a pas le temps de dire devenir, de danse, danse, qui le fit, devenir, devenir. Devenir son amant. À l'époque, on saisit beaucoup les phrases, c'est très courant. Donc, ce fut le hasard d'une danse qu'il fit devenir son amant. D'accord? Donc, sol, danse, ré septième qu'il fit, la mineur septième devenir, ré septième son amant, re sol. Ensuite, on enchaîne. Il avait donc solvé de jolies manières sur ré septième, du tact, la mineur septième et beaucoup ré septième d'instruction, re sol. On reste sur sol, sachant faire de bonnes affaires. Et là, c'était. Et là, mi septième. Mi tout court, pardon. Mi. Donc là, on n'a pas vu mi, fondamentale, tierce majeure, quinte. C'était toute la. Donc c'était toute la. Voilà. C'est pas la d'ailleurs, c'est. C'était toute ça. Voilà, c'est la septième du la. Donc la, ré bémol, mi, sol, sa profession. Ré. Donc je reprends. Sachant faire de bonnes affaires. C'était là toute sa profession. Ou alors, vous pouvez juste jouer, vous pouvez rajouter la fondamentale ou juste jouer la septième, puisque c'est la mélodie est sur la septième. Donc, comme vous voulez, donc, sachant faire de bonnes affaires, c'était là toute sa profession. D'accord? Sur la fondamentale, vous pouvez mettre septième ou pas, comme vous voulez, hein, vous avez vu, ça vous fait des options. Hein. Ensuite, ben on reste toujours là, comme elle avait. Tiens, par exemple, la triade est sur la comme elle avait. Vous pouvez rajouter la septième. Pardon. Comme elle avait un peu la mineur septième d'argent. Re-ré. Alors là, elle dit tout. Mais c'est marqué sur la partition, il se mire. Il se mire, mais non pas il se mire. Il se mire. Il se mire. Il y a deux syllabes. Et non pas trois, ils se mirent, c'est ils se mirent en ménage tranquillement. La même chose, hein. Vous faites un arrêt ou pas, hein. Et on revient au refrain.
Donc repartons à partir de la entre le premier couplet. Voilà la femme a dénicheur. Imaginons qu'on continue. Alors maintenant voyons la première formule, c'est-à-dire juste avec la triade, avec la fondamentale. Elle avait fait sa connaissance dans un bar un soir simplement. Ce fut le hasard d'une danse qu'il fit devenir son amant. Il avait de jolies manières, du tact et beaucoup d'instructions. Sachant faire de bonnes affaires, c'était là toute sa profession. Comme elle avait un peu d'argent, ils se mirent en ménage tranquillement. Voilà, bam, roulement. Voilà. Et on revient, go back to. On revient tout simplement au refrain. Donc maintenant, voyons l'alternance avec la valse, ce que je préconise, bien sûr. Donc, voilà, femme à dénicheur. Alors, oui, vous pouvez alterner à chaque fois sur les sols en mettant la seconde, hein. Ça vous donne un dénicheur. Elle avait fait sa connaissance. Donc là, on a le temps, hein, de jouer les deux, la fondamentale et la quinte renversée. Elle avait fait sa connaissance. Là, on a le temps, ré, là. La mineure, dans un bar. Là, on n'a pas le temps. On joue juste la fondamentale. Dans un bar, un soir, pas le temps non plus sur le ré. Soir, simplement. Là, on a le temps. On avait amplement le temps, puisqu'on recommence sur sol. Simplement, ce fut le hasard du nom, donc sol et ré, hein. Fut le hasard, mais vous voyez bien là-haut, le hasard d'une danse, ré septième, donc, qui le fit devenir, donc là on n'a pas le temps sur le la, le fit devenir, ré pareil, nier son amant, là on a le temps sur sol. Alterner comme ça, vous voyez, c'est-à-dire avec la seconde, vous voyez, voilà, et la neuvième aussi, mais là, bon, c'est plus simple de vous dire que c'est la seconde, c'est-à-dire à la place de vous lâchez la fondamentale, faites l'un et l'autre, premier temps, deuxième temps, pom, 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 d'accord, deuxième et troisième, pardon, bon, donc là, par exemple, le la, pom, 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 où est-ce que j'en suis, moi? De devenir, voilà, devenir son amant. On en était là, voilà. Il avait de jolies manières. Là, on a le temps sur ré, hein. Donc ré est là. Genre les choses. Là, on va pas avoir le temps sur la mineure, ça va être juste la fondamentale. Du tact et beaucoup. Donc, vous voyez, pam, pam, c'est très, très pratique, hein. Je reviens pas sur les notes, hein, vous les connaissez maintenant. Hein. La mineur septième, du tact et beaucoup d'instruments. Pareil, on a juste le temps sur le ré septième de faire que la fondamentale, beaucoup d'instructions. Là, on a le temps sur le sol. Donc, pour donner un petit peu de mouvement, sinon c'est assez monotonique, si vous faites juste la triade, vous voyez, ça fait une petite alternance harmonique. Sachant faire de bonnes affaires. Sur ré, la, ré, là on a le temps aussi, ré est là, là on n'a plus le temps, c'était là toute sa profession, donc c'était là, on a juste le temps de faire mi, c'était là toute sa profession, donc 1, 2, 3, mi, c'était là toute sa profession, la septième, ou juste avec la septième, avec la fondamentale. Ou alors, c'était là toute sa profession. Vous pouvez juste, même sans mettre la septième si vous voulez, hein, c'était juste pour la mélodie. C'était là toute sa profession. Voilà. Et là, vous continuez, bien sûr. Là, vous avez le temps, hein, ré là. Comme elle avait un peu. Là, vous n'avez pas le temps. Juste 1, 2, 3 sur le la mineur. La septième ou pas, hein, on l'a déjà vu. Un peu d'argent, ré. Ils se mirent la mineur. Ils se mirent en ménage tranquille.
Ismir t'emménage. Pareil, Ismir, la mineure t'emménage tranquillement. Et là, sur la fin, pam, 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 pam. Voilà. Et là, on revient au refrain, n'est-ce pas? Donc, on l'a déjà fait, je ne reviens pas dessus. Hein. On l'appelait le si, pourquoi pas Nénicheur. Il était rusé comme une fouine. C'était un gars qui avait du cœur et qui dénichait des combines. Il vivait comme un grand seigneur. Et quand on rencontrait sa dame, on répétait sur toutes les gammes. Voilà la femme à dénicheur. Les combines, deuxième couplet. Les combines, ça dure ce que ça... Donc sol. Donc d'abord, les combines, ça dure ce que ça dure. Ré septième. La chance, la mineure septième. Tourne, ré septième, et puis s'en va, sol. Toujours sol. On perd le goût des aventures. Ré septième. Quand le noir, la mineure septième, vous suit. Ré septième, pas à pas. Sol, ayant plus confiance en lui-même. Pardon, ré septième. Un soir, la mineure septième, qu'il était ré septième, sans un sou, sol. Sol, afin de résoudre le problème. Ré septième, le déniche, le déni. Vous pouvez mettre la septième si vous voulez. Le dénicheur fuit, la septième d'un seul coup. En 7 ou pas. Et là, mais comme ré septième, il rentrait, la mineure septième do logis, ré septième, en pleurant, la mineure septième, son ami, ré septième encore, lui dit. Alors, voyons à partir de la fin du refrain, la femme a des nicheurs, les combines. D'abord, en un temps, enfin un, deux, trois, sans renversement, les combines, ça dure ce que ça dure. La chance tourne et puis s'en va. On perd le goût des aventures quand le noir vous suit pas à pas, n'ayant plus confiance en lui-même. Un soir qu'il était sans un sou, afin de résoudre le problème. Le dénicheur fit un sale coup, mais comme il rentrait au logis, en pleurant son ami lui dit, on t'appelait le dénicheur. Et voilà, on va passer sur le dernier refrain final qui sera légèrement différent. Enfin, surtout dans le texte. Voilà. Sinon, quand j'ai dit qu'on revenait au refrain, évidemment, c'est exactement le même. Outre les accords, ben, c'est le même texte. Là, le texte va être différent. Donc maintenant, voyons la formule alternée à partir de la fin du refrain. Donc, voilà la femme à dénicheur. Imaginons que vous ne faites pas de stop. Hein. Vous pouvez faire ça aussi, hein, si vous voulez. Hein. Bref, vous avez compris. Vous pouvez donc... Ah ben non, voyons, là, c'est la fameuse alternance. Donc, les combines, ça... Donc, 1, 2, 3. Les combines, ça dure ce que ça... Là, on a le temps sur le sol. Les combines, sur combines, c'est le premier temps. Combines, ça dure ce que ça dure. Ré septième, ré là. Hein. La chance, là, on n'a pas le temps. On fait juste la fondamentale. La chance, tourne et puis, pareil sur le ré. Tourne et puis s'en va. Là, on a le temps sur le sol. On peut alterner hein, ou rester en place. On perd le goût des aventures. Là, on a le temps sur le ré, ré, là. Quand le noir, là, on n'a plus le temps, la mineure. Noir vous suit, pareil sur le ré, suit pas à pas. Là, on a le temps sur le sol, toujours, hein, ayant plus confiance en lui-même. Ré septième, là on a le temps, là on n'a plus le temps, un soir qu'il était sans un sou, on a juste le temps de faire
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord? Un soir qu'il était sans un sou. Là, dès qu'on arrive sur le sol, on a le temps. Afin de résoudre le problème, le dénicheur, le dé. Ah, j'ai la voix très très malade. Le dénicheur fit un sale coup. Donc là, on l'a déjà vu, hein. Afin de résoudre le problème. Donc là, le temps sur sol, blême, sur ré aussi. Là, on n'a plus le temps. Le dénicheur fit un sale. Donc mi, la septième ré. Et là, sur ré, on a le temps. Mais comme il rentrait, la mineure, septième. Là, on l'a déjà vu. Hein. On rentrait tôt, vous voyez, spontanément. Les chevaux. Je dirais même que le ré, c'est la même chose. Hein. On peut faire plein de variations. Hein. Légis. Ré, comme là, comme ceci. Il suffit juste de poser la fondamentale en haut. Hein. Donc là, on a le temps. Hein. Là, on n'a plus le temps. La mineure en pleurant. De 1, 2, 3. On n'a plus le temps. Enfin, on a juste le temps de faire 1, 2, 3. En pleurant son ami. Pareil sur ré. En pleurant son ami. 1, 2, 3. Lui dit par exemple pam pam, c'est juste le sol que je renverse, hein. Voilà, pam, pam. ou alors rien, vous continuez, d'accord. Allez, dernier refrain final, on l'appelait le dénicheur, c'est les paroles surtout qui chantent, toi qui étais rusé, mi septième comme une fouine, la mineure septième, je croyais trouver le bonheur, et septième, près de toi, la mineure septième, avec tes ré septième, combine, sol, ré, combine, ensuite sol, adieu, c'est fini, par sans peur, le texte, formidable, je saurais souffrir, mi septième, et me taire, et là, malgré mon dos, ré bémol diminué septième ou do dièse diminué septième. Malgré mon chagrin, je préfère abandonner ré septième le dénicheur. Et elle recommence. Malgré mon chagrin, je préfère. Et là, elle s'arrête. Abandonner le dénicheur. Donc abandonner. Donc le sol bémol. Simplement, voilà, n'est-ce pas? Maintenant, on le fait en condition avec la valse 1, 2, 3, hein, et puis après, on fera la retourne. Le renversement, donc après les combines, c'est-à-dire, mais comme il rentrait au logis, en pleurant, son ami lui dit. Donc là, on est juste sur la valse très simplifiée, donc. On t'appelait le dénicheur, toi qui étais rusé comme une fouine, je croyais trouver le bonheur près de toi avec tes combines. Adieu, c'est fini par sans peur, je saurais souffrir et me taire, malgré mon chagrin, je préfère. Faire la bouffante d'un et puis là ouais. abandonner le dénicheur, et là vous recommencez, malgré mon chagrin je préfère abandonner le dénicheur. Allez, voyons la valse renversée, donc à partir de septième, donc zé comme là on n'a pas le temps, juste mi sept, la fondamentale, zé comme une fouine, là on a le temps sur la mineure, je croyais trouver le bonheur, et septième on a le temps là,
Ré est là. Ré de toi. Là, on n'a plus le temps, la mineure. 7, Ré de toi. Avec Ré septième. Avec tes combis. Pareil sur le sol. Mineur. D'accord, mineur. Ré septième. Adieu, c'est fini par sans peur. Après le Ré, on revient sur le sol. Hein. Donc adieu, aïe, aïe, adieu, sol, avec Ré, adieu, c'est fini par sans peur, là on a le temps, hein. Je saurais souffrir, là vous avez le temps, mi et si, je saurais souffrir et me taire, là pareil, sur le là vous avez le temps, taire, malgré do, malgré mon chagrin. Sur le sol et l'abandonner, abandonner le déni. Donc là, vous avez juste le temps de le faire 1 et 2. Abandonner le dénicheur. Et là, vous revenez ensuite, malgré, donc, malgré. Donc, malgré mon chagrin, je préfère. Et là, ça nous fait, bah, là vous l'avez saisi, hein, donc on t'appelait le dénicheur, toi qui étais rusé comme une fouine, je croyais trouver le bonheur près de toi avec tes combines. Adieu, c'est fini par sans peur, je saurais souffrir et me taire. Malgré, là juste 1, 2, 3, malgré mon chagrin, je préfère. Là, vous avez le temps, sol et ré. Abandonner, là, abandonner le déni. Donc, 1, 2, 3, 1, ensuite sur la quinte, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, abandonner le déni. D'accord, et là, recommencer, malgré mon chagrin, je préfère abandonner, c'est la fin, le dénicheur. Voilà mes amis, vous avez tous les outils voilà pour réaliser cette valse, magnifique chanson, encore une fois, très bien construite, dans la grande tradition de la chanson réaliste, hein. Et les textes sont admirables, la mélodie est formidable, enfin j'adore depuis toujours. Les chansons, elle est classée d'ailleurs, je l'ai classée dans les chansons intemporelles, car si vous avez la curiosité d'explorer le contenu de ma chaîne, vous découvrirez une playlist naissante pour le moment de chansons intemporelles. Et une playlist, vous découvrez aussi des playlists consacrées à la bossa nova. Qui dit bossa nova dit Carlos Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Toquinho, enfin bref, une foultitude de fabuleux compositeurs, car j'adore la bossa nova. Et évidemment, une playlist consacrée dédiée à Michel Legrand. Faites très attention là à la qui transpose, la clé de transposition. Il faut toujours lire la description. Parce que pour une foultitude de raisons, et surtout la raison du meilleur compromis que je parviens toujours à réaliser pour vous, enfin c'est toujours le meilleur compromis, voilà, entre la possibilité que je vous présente quand même le guide, avec que ce soit quand même assez cohérent, et que néanmoins, c'est-à-dire que je sois en capacité de vous le chanter quand même pour vous servir de guide, comme son nom l'indique, mais néanmoins de vous proposer toujours une tonalité facile. Là, vous voyez, on n'a qu'une altération en sol. C'est vraiment une tonalité facile. Alors que même en Ré, c'est pas grand-chose, mais bon, il se trouve que c'est beaucoup trop bas ou trop haut pour moi, voilà. Mais on a deux altérations, alors qu'en Sol, on n'en a qu'une. Ça facilite quand même les choses, parce que ma chaîne s'adresse aux débutants, bien entendu. Vous avez aussi une playlist de standards, où vous retrouverez My Funny Valentine, Reality, enfin tous les standards que j'aime tant depuis toujours. Car toutes ces chansons, in fine, se révèlent avoir un point commun, c'est que je les aime toutes. Voilà, c'est mon luxe. Et je n'ai pas de,
Vous voyez bien que je n'ai rien à vendre, entre guillemets. Donc, je m'offre ce luxe de ne faire que des chansons qui me plaisent. Voilà, depuis toujours. Et que je vous propose, si elles ne me plaisent pas, eh bien, je ne les fais pas tout simplement. Voilà. C'est pas que je ne puisse pas les faire, je peux tout faire. Mais non, non, je ne le fais pas. Moi aussi, je dois prendre du plaisir aussi. Voilà, ça doit être un plaisir partagé. Des chansons que j'aime tant à faire. Si vous les regardez, c'est que vous les aimez aussi. Donc c'est un partage malgré tout. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention, de votre précisément partage aussi, de votre fidélité aussi. Et puis je vous remercie aussi de m'encourager et puis d'avoir toujours ce regard bienveillant. Voilà. Merci en tout cas et je vous dis à bientôt pour bien entendu de nouvelles aventures. Voilà. Qui sait? À bientôt. Au revoir. Merci.